blessé? Ça va aller? Oui. Tuer un flic. Mais arrête! Je suis sûr que c'était un flic. Merde! Il avait un badge, là! Tu te fais des idées! Combien de fois il faudra que je te le dise? Putain, c'est pas vrai! Ton pire ennemi, c'est toi. Si t'es pas capable de te contrôler, t'arriveras jamais à rien. Tiens, prends ça. Moi aussi, j'ai tué un flic l'autre jour au salon de thé. Je sais, Monsieur Chan me l'a dit. Je l'ai su qu'après. Ça t'a fait quel effet? Pire que toi, tout à l'heure. Alors, c'était bien un flic? Ouais. Putain, merde! Bonjour à tous et bienvenue dans ce tout nouvel épisode de Cut. Pour ce numéro, on repart dans les années 90 avec À toute épreuve ou Hardball, meilleur titre quand même, de John Woo. Film mythique et séquence mythique dans laquelle Tequila, alias Chow Yun-Fat et Tony Leung traversent deux étages dans un hôpital dans une gunfight épique tournée en un seul plan séquence. Réalisé par John Woo, le long métrage est le dernier film du réalisateur à Hong Kong avant sa carrière hollywoodienne et son retour à la fin des années 2000. La fin d'une époque pour un film d'action exemplaire, pas encore vraiment égalé depuis sa sortie en salle en France. Remember one afternoon that we talk about it in John's room, because John is about to shoot this scene like a few weeks later. He grabbed me to his room and discussed how we're going to make this scene, because at that point he's quite saturated with the way the shootout scene being made is really much like shoot and boom, react, shoot and react. No matter how you shoot, like you shoot 60 people, it's still like, you have a machine gun, you go, right? People go down. If you have a single shot, you boom, people go down, right? Pretty much I'll always say at this point it's like a ping pong editing. Boom, boom, ping pong, ping pong, ping pong, boom, go down, right? So, and also John at that moment, he's kind of like, okay, what can we do with to reinvent some gunshot scene? Because he always think ahead, you know? And then we say, okay, let the thing look at, okay, and I at that point, I have a little inspiration that the best is not to make that many of cuts. Nous n'allons pas revenir sur ce qu'est un plan séquence dans ce numéro. Non, on l'a déjà fait. Le plus intéressant est de comprendre comment cette séquence, cette performance filmique, s'inscrit dans le style de John Woo, résumant toutes ses techniques, y compris celle du montage. C'est étrange, mais vous verrez qu'à la fin de ce cut, vous aurez tout compris. Donc avant de revenir sur la séquence en elle-même, parlons un peu de ce qui fait le style John Woo. «
Le réalisateur depuis A Better Tomorrow s'est toujours fait remarquer par sa mise en scène des gunfights. La gunfight se divise en deux mots, et c'est déjà en soi un bon résumé de ce qu'une telle séquence implique. Dès le début du cinéma, nous avons le droit à des scènes de fusillade, développées le plus souvent grâce au western. Elle implique deux adversaires minimum et souvent l'utilisation intrinsèque d'un montage alterné. En gros, un plan sur celui qui tire, un plan sur celui qui se fait tirer dessus. Au fur et à mesure que le cinéma avance, les fusillades se font de plus en plus complexes et deviennent des moments de bravoure, des séquences où le visuel prime. De Léon à Peckinpah, la fusillade devient un combat à la durée de plus en plus rallongée, avec une multitude de points de vue et donc de plans. John Woo va utiliser tout ce savoir-faire dans ses gunfights, mais pour les amener vers une nouvelle forme. John Woo a commencé sa carrière à la Shaw Brothers en tant qu'assistant réalisateur puis réalisateur sur des Wu Sapion, soit des films de sabre d'époque. Son maître, Chen Che, lui apprendra les techniques du studio et notamment la mise en scène des combats. Ici, à l'inverse des fusillades de western, on y joue surtout la carte du plan large avec une chorégraphie des artistes martiaux sur lesquels la caméra va s'appliquer à découper chacun de leurs mouvements. Ce sens de la chorégraphie, John Woo va l'importer dans son cinéma et donc dans ses gunfights, les séquences étant donc plus complexes et marquées non pas par les personnes qui vont se faire tirer dessus, mais par les mouvements de chacun des tireurs. Les gunfights devenant au fur et à mesure une nouvelle forme de danse. Good morning, we've talked the whole night through. Good morning to you. L'autre influence forte de John Woo, ce sont les comédies musicales. En effet, John Woo, très influencé par le cinéma américain, a réussi à fusionner la mise en scène chorégraphiée des combats de la Shaw Brothers et la mise en scène, elle aussi chorégraphiée, des comédies musicales américaines. On s'en rend compte notamment par l'importance accordée au décor, le réalisateur étant capable de tourner une scène sans scénario, juste parce que le lieu l'inspire. Le cas le plus célèbre étant la fusillade dans le salon de thé au début d'À toute épreuve, tournée avant même que le scénario soit écrit. Les séquences de John Woo devenant alors presque des numéros, pareil à des performances de cabaret où le décor est une piste de danse. I like to put myself into the same situation. If I am the hero, if I am the cop, in such a situation, what should I do? What I'm going to do? You know, how could I handle 20 guys? You know, stand in the middle, you know, and then I walk around. Okay, if I sit here, right at the center, you know, and then I would like to put five bad guys on my left side, and then I would put the other two on my right side. Yeah. But I have my company, so my company on the right side. So I assume he can take care of the other two guys. And then so if I start the action, if I'm being attacked, so I will roll on the ground, and then I roll on the ground, and I usually work with my stunt coordinator. Okay, if I'm rolling like this, and then I get up, pretty much like dancing, you know. So, and then I get up and spin myself, spin around, shooting the five guy, and another guy protecting me, take over and shoot the other guy, then I could run to other guy and jump off the table. La séquence de l'hôpital d'À toute épreuve, c'est exactement la même chose. Ici, un décor sur deux étages, extrêmement complexe, et des acteurs cascadeurs slash danseurs en représentation, et devant absolument respecter chaque pas d'une chorégraphie minutieusement préparée. The little, I won't say obsession with John with guns is like he,
He know very well how to portray an actor holding a gun. And the closest interaction with them, other than emotional dialogue moment, face to face, is the famous Mexican standoff, because you are so close to the face and so close to the gun. And from time on and on, it's just playing so well with different, that's what I'm saying, no matter what you who you put in with Chow and Danny Lee, and Chow with Tony Leung, and John Travolta with Nick Cage, and then Christian Slater, it always worked that well, because that's his essence spirit of John. Qui dit duel, dit duo. John Woo ne voit pas la différence. Chacun de ses films met alors en avant des affrontements entre deux personnages qui lui permettent toujours de mettre en scène un combat à deux contre un groupe ou l'un contre l'autre, les personnages s'affrontant comme s'ils effectuaient une sorte de valse où chacun se tourne autour. On y remarque alors la répétition de certaines figures comme des pas de danse obligatoires. Les personnages se retrouvent dans des positions parallèles, chacun se calant sur le pas de l'autre. En somme, des vrais numéros de danse en couple. Encore une fois, cette idée dans le plan séquence à toute épreuve. Tequila et Alan se sont durant tout le film affrontés dans différents combats, puis se sont associés pour battre le super méchant de l'histoire. Quand vient la scène de fusillade dans l'hôpital, ils sont devenus un duo effectuant des figures en double, comme celle-ci. Au-delà du visuel, John Woo nous montre grâce à cela la complémentarité et donc l'amitié que les deux personnages ont réussi à créer. Le dialogue appuie alors cette complémentarité. Tony Leung tue un flic par erreur, comme Chow Yun-fat au début du film. Il y a là l'idée d'un parallèle idéal dans l'histoire des deux hommes, une harmonie, une sorte d'osmose. Of course, John, you know, John is always like to sit down in my chair. I always push him off, right? So it pretty much start with bullet in the head. Autre élément qui lie le travail de John Woo à la musique, son travail avec son monteur, David Woo. D'ailleurs, attardons-nous un peu, si vous le voulez bien, sur ce monteur. Il est sûrement depuis le début le partenaire artistique le plus important de John Woo. Tous les deux étaient d'ailleurs assistants sur La Rage du Tigre de la Shaw Brothers, apprenant donc le métier dans les mêmes écoles. David Woo montera tous les films de John Woo, de A Better Tomorrow à Hard Boiled. Leurs références étant les mêmes depuis leurs années d'études. We know each other back then, so I think those are the most golden time of our years, because we're young, we are restless, we have no I don't think neither he and I has a girlfriend. So our girlfriend is going to movies. Sam Peckinpah, Jean P. Neville, and Alain Delon, and Sam Murray, and all those slow motion Sam Peckinpah. So in those years, we worked together, we saw the same movie, and then we built up this friendship and movie fans. And then on and on, it's all in our head. So later on, when John Woo went to be a director, he kind of used all the techniques and then the movie that he saw and absorbed it. Au fur et à mesure, le monteur deviendra aussi son réalisateur de seconde équipe, notamment sur cette scène d'À toute épreuve. Leur complémentarité est essentielle pour comprendre ce qui fait le cinéma de John Woo. David Woo va apporter le sens du rythme, et donc la musique pour accompagner les numéros de danse gunfight du réalisateur, et cela grâce à une technique particulière de montage. Le fast cutting est une technique de montage qui consiste à monter une séquence avec une multitude de plans très courts, censés correspondre à l'état d'esprit de l'action interprétée dans la scène. Exemple le plus connu, le meurtre de la douche dans Psychose, avec sa dizaine de plans en quelques secondes. Le premier à vraiment l'utiliser, c'est Sam Peckinpah, notamment dans La Horde Sauvage. Ici,
raccourcis, les plans sont de plus en plus courts, comme si le rythme de coupe correspondait au coup de feu, s'accélérant encore plus avec l'utilisation de la mitraillette à la fin du film. Chez Peckinpah, l'idée est de traduire au montage la sensation du chaos total de la fusillade. Très marqués par ces films, John Woo et David Woo vont redévelopper cette idée dans leurs films, les coupes de montage correspondant ainsi le plus souvent au rythme des coups de feu des tireurs. Seulement, David Woo va y importer une toute autre musique. En effet, chez John Woo, les fusillades ne sont pas des batailles chaotiques comme chez Peckinpah, mais comme on l'a dit plus tôt, des numéros de danse harmonieux et chorégraphiés. Du coup, le monteur se doit de trouver un moyen de régler le rythme en fonction de l'action. Il crée donc des pauses dans le montage, souvent via des ralentis, John Woo étant connu pour tourner des scènes à deux caméras minimum, avec des temps d'enregistrement différents. David Woo utilisera ainsi très souvent le slow motion pour varier un peu le tempo et surligner certains mouvements des personnages principaux. Almost like a drum hit, right? You can say da 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 da. Almost like a jazzy drum beat. And as soon as you go to quite a non-stop, we all always slow down with the slow mo, with a little bit of dialogue, and then round up. That's why I say this. You can see this quite prominent jazzy movement. It's not like da 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 non-stop, right? Like a typewriter. So you can see the sound and the sound effects and the dialogue and then the camera work. And that's why when I apply slow motion, I need to apply it in the right timing to give that jazzy rhythm. Otherwise, you may if it treated wrongly, you can see a lot of slow motion, which is quite repetitive and then dragging, right? So you need to, when the trick about using slow motion, you need to know when to come in. Ainsi, les célèbres plans d'insert au ralenti devenus depuis des clichés, comme les colombes s'envolant durant les gunfights, permettaient surtout au monteur et à John Woo de créer une musique harmonieuse avec des montées en crescendo alternées avec des passages plus lyriques. Des notes plus longues en quelque sorte qui, avec quelques secondes de plus, empêchaient le spectateur de se perdre dans l'enfer d'une fusillade. David Woo continuera d'ailleurs à jouer avec ce type de montage cut, coup de feu, dans ses propres films en tant que réalisateur, comme par exemple Cold Feet. Dans la séquence qui nous intéresse, il semble impossible du fait du plan séquence d'effectuer ce type de montage. Pourtant, on remarque bien l'utilisation du ralenti, utilisé à deux reprises pour surligner les pas de danse en duo des deux personnages et faire une pause dans l'action. Des petites touches de montage typiques de John Woo, donc des effets visibles qui permettent alors, durant le plan séquence, de jouer avec le rythme et d'amplifier les performances de ces deux acteurs. En supprimant le montage dans cette séquence clé, on a donc l'impression que John Woo n'a fait qu'amplifier son style et ses techniques de réalisateur-monteur. La séquence deviendra d'ailleurs très vite culte pour ses fans, résumant presque une certaine apogée du style de John Woo avant que celui-ci devienne un standard à Hollywood. Actors tell me in fact, Tony and all stuntmen, all the special effect guy, they were pleased, they were asking me, and even the cameraman, you know, John, please don't give it up. This is a great shot. We haven't seen in a Hong Kong movie, you know, such a kind of a shot, you know, let's make it, you know. So the 4 days that we tried the fourth time, and we made it, you know, and then everybody's so happy, you know, even though everybody tired as like a dog, you know. But they were still happy with it. Hello everyone, I'm John Woo. 我从来没停止过找他。这是上天许的愿。 À l'heure actuelle, on pourra conclure là-dessus, John Woo est reparti en Chine pour tourner coup sur coup de grandes fresques épiques, abandonnant donc les films d'action purs pour quelques temps. David Woo et lui se sont d'ailleurs retrouvés sur Red Cliff et on attend le dernier film de Woo, The Crossing, avec impatience. En espérant, comme de bons vieux amateurs mélomanes, que la musique soit toujours la même. Tu dois croire en moi. Je peux l'apprendre.
我当然相信，因为你是我的周大胆。只要我想着跟他一起生活，我的命就不太坏。你会记得的，美好的回忆总会回来。我相信他还活着，我都要找到他，这是我的命。如果没有战争，我们会有一个怎样的人生？拥着你，当初温馨再涌现，心里边童年稚气梦未污染。今日我与你又视肩并肩，当年情此刻是添上。良心事。